Donc vous me dites votre prénom l'un après l'autre et puis le nom de votre compagnie. Alors moi c'est Tommy. C'est Jules. Et nous sommes la compagnie Nawar. Vous venez de d'où? Moi j'habite à Nantes et Jules habite à Paris. Là vous êtes en résidence au collège Le Goffi, collège public de Lannion. C'est ça, oui. Pendant quelques jours, quelques semaines? Pendant 2 semaines, on était censé faire une partie pédagogie avec les élèves et une partie résidence artistique. Et malheureusement, la pédagogie est un peu modifiée avec les conditions actuelles. Mais on rencontre les classes, on échange, ils nous voient en répétition, des choses comme ça. Et on continue à avancer sur le spectacle. Alors qu'est-ce que vous proposez, vous, avec votre grand cerceau métallique qui est à vos pieds, là, mais qui pèse apparemment une tonne? Qu'est-ce que vous faites avec, et vos casques de joueurs de foot américain? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait du cercle. On en fait, d'habitude, il est entier. Et on en fait à deux dedans. On travaille sur l'interdépendance, le fait de donner sa confiance à quelqu'un, de l'accepter, ou de se protéger de quelqu'un d'autre, parce qu'on en a peur. D'où nos casques, le bazar et toutes ces protections. Et ce qui me fait marrer, c'est d'essayer de pousser le vice de la protection, de la surprotection, jusqu'à plus du tout pouvoir interagir et partager l'espace du cercle, et à nous mettre en danger avec les protections. Et voilà, et voir sinon, quand on les enlève, à quoi ça laisse place, et au contraire, quelle relation on peut avoir avec quelqu'un quand on se détend un petit peu et qu'on accepte de donner sa confiance et de faire tomber les barricades. Donc là, on est devant le carré magique occupé, je pense que ça se voit sur les images. D'ailleurs, à Nantes aussi, c'est Gralin qui est le théâtre occupé, c'est un mouvement national pour la reprise de vos activités, parce que vous, par exemple, ça fait combien de temps que vous n'avez pas pu donner de représentation au public? Alors moi, ma dernière représentation, c'était en septembre 2020, à Toulouse. Moi, j'ai joué la dernière en octobre, puis après une version un peu particulière en visio, live, là au mois de février, mais c'était en one shot, et ça faisait en gros une trentaine de dates annulées depuis octobre, un peu plus, et voilà, bientôt une centaine à l'année. Vous pensez que malgré la crise sanitaire, vous pouvez reprendre des activités avec le public? C'est non seulement on pense, mais en fait il y a beaucoup de pays qui le font, Il y a des manières de se protéger. Nous on arrive tous testés en résidence, il y a des ports du masque pour le public, il y a des manières de s'assurer un roulement. Il y a des méthodes qui existent, qui ont été prouvées, qui ont été testées, on va dire, scientifiquement. Donc c'est un peu le souci, c'est qu'il y a une différence entre l'application et les règles qui sont établies et ce qu'on sait aujourd'hui de ce qu'on peut mettre en place pour que ça se passe bien, mais que ça se passe. Et c'est un peu ça, le souci et qui est soulevé par ce genre d'occupation. C'est un peu une demande de dialogue, de se redire, est-ce qu'on peut pas réfléchir plus intelligemment que non? Et je pense qu'il serait temps que ça se mette en place. Là, vous êtes insatisfait de ce que décide le ministère de la Culture? Qu'est-ce que vous avez comme commentaire à faire sur les dispositions actuelles, sur les réponses ou les non-réponses qui sont faites, ou les commentaires de la ministre? Voilà, c'est surtout les non-réponses. On est un petit peu en attente et en attente et en attente. Et il y a en fait très peu d'action. Comparé, comme disait Jules, aux autres pays où il y a au moins des essais. L'Espagne a fait les premiers tests de spectacles ou de concerts en fin janvier ou début février, il me semble. Je sais plus quel mois, j'ai peur de dire une bêtise, mais ça fait un moment que ça joue dans des conditions assez strictes. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi, on ouvre demain et puis on fait pas attention, c'est pas ça qui est demandé. Mais la réponse, la politique, elle est soit inexistante, c'est-à-dire que là, Castex n'a pas dit un mot sur la culture alors qu'il y a des théâtres qui sont occupés. Alors après, à tort ou à raison, on pourrait en discuter, mais qu'on en cause, ce serait pas mal. Et que la ministre de tutelle, en effet, il y a un... C'est délicat quand il y a un mouvement social de dire que c'est inutile et dangereux. Ça pose pas une ouverture au dialogue de prime abord. Donc c'est vrai que déjà au niveau de la posture même, il y aurait un changement à faire. Et après, est-ce que collectivement on peut arriver à trouver d'autres solutions et d'autres mesures? Ça, c'est ce qui est posé sur la table. En termes de rémunération, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que
que vous faites comme commentaire sur la situation? Est-ce que la nuit blanche pour les intermittents, il faut la prolonger? L'assurance chômage qui doit avoir ses règles modifiées en juillet, est-ce que ça vous fait peur? Qu'est-ce que vous faites comme commentaire là-dessus? Qu'est-ce qu'on fait comme commentaire là-dessus? Moi, je suis très curieux de savoir comment ça va se faire, parce que prolonger l'année blanche, bah, ça serait efficace si l'année prochaine on peut travailler. Et ça serait une bonne solution si on peut travailler. Parce qu'après, j'imagine. Enfin, on n'a pas non plus de fonds infinis. L'État n'a pas de fonds infinis pour faire des années blanches ad vitam aeternam. Donc, en fait, il faut juste nous laisser travailler et faire nos heures. Et qu'on puisse du coup fournir cet argent et qu'on puisse le récupérer aussi pour ceux qui peuvent le moins travailler. Voilà. C'est ce que je vois, quoi. C'est ça aussi, c'est-à-dire que il y a le palliatif. En effet, ces mesures-là d'année blanche, il est possible que ça soit nécessaire, puisque là, on a des centaines d'heures qui ont été annulées. Donc, est-ce qu'on va pouvoir renouveler de manière normale? C'est une vraie question. Par contre, peut-être qu'on peut mettre des choses en place pour ne pas en avoir besoin et pour pouvoir recommencer à travailler, encore une fois, intelligemment. Et sur la réforme du chômage, nous, à titre individuel, on ne va pas forcément être inquiété par ça, puisque ça concerne plus le régime général, etc. Par contre, c'est un peu inquiétant comme principe de voir qu'en période de crise qui va faire des millions de nouveaux pauvres, on préfère faire des économies sur ce genre de protection, une assurance chômage, plutôt que sur d'autres mécanismes. C'est intrigant. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Bon, on va faire un petit plan général.